Hello, coucou les taureaux. Alors là, on est ensemble pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2020. Tirage intuitif comme d'hab. Surtout, bah voilà, c'est vrai qu'on se répète et tout, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Le reste, eh bien, bah, soit vous passez à une autre vidéo, soit vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, comme bon vous semble dans le. J'ai tous les signes dans le taroscope normalement. J'ai changé un petit peu les cartes, vous verrez. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a mes coordonnées sous la vidéo, comme d'hab, pour les consultations perso. Je sais qu'il y a un autre truc. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas dans mes guidances, donc après je vais basculer la caméra, il y a vous et votre autre, donc hop, on va basculer, ça ira plus vite. Il y a vous, votre autre, d'accord? Et votre autre signifie la personne que vous avez dans le cœur, avec, peut-être vous êtes déjà en couple avec, peut-être vous n'êtes pas encore en couple avec, donc vous replacez vraiment comme bon vous, bah, comme bon vous semble, quoi. Et au milieu, maintenant, j'ai mis le lien, d'accord? Donc je ne sais pas si vous voyez bien. On va faire comme ça. C'est parti. Donc énergétiquement, il y a trois cartes qui ont voulu tomber. Donc on y va. Le désert, l'éternité et le doute. On va aller voir le dos de deck après. Donc énergétiquement, ici, il y a quand même. Vous vous retrouvez quand même un petit peu en balance face à vous-même. Avec des questionnements bien sûr et puis surtout je pense qu'il y en a qui peut-être au niveau émotionnel vont faire des ascenseurs émotionnels justement. C'est-à-dire que vous pouvez osciller un coup à droite, un coup à gauche avec des moments où vous vous sentez connecté à une forme de gratitude, de plénitude. Comme une grâce, et puis d'un moment à l'autre, vous pouvez basculer en ayant le sentiment d'être dans une solitude. Il y a, je pense, ça me fait comme un médiateur, vous savez, j'y connais trop rien là-dedans, mais qui bat le rythme. Il y a une notion, il y a quelque chose qui s'équilibre, d'accord? Donc peut-être entre vous et la personne de votre cœur. C'est quelque chose qui se fait peut-être de manière mentale ou peut-être inconsciente surtout, et qui. C'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, hein. C'est à l'ordre du divin plus, et vous, vous ne faites que ressentir sans doute peut-être les énergies. Un coup, un espèce de vide, un coup, un espèce de plein, un coup, un espèce de vide, et puis ça fait comme ça un petit peu, c'est lancinant. Bon, sympa. Il me semble que votre tirage, c'était assez remuant, le tirage général. C'est quoi le dos de deck? Nécessité. Pour moi, ici, on a là vraiment la boussole intérieure. Le temps est à l'œuvre c'est comme dans un une espèce de tempo régulier, comme un ping-pong régulier. En fait, ce qui se passe, c'est que avant de basculer complètement quelque part, il y a besoin de faire un ping-pong entre ces deux énergies-là, de solitude, plénitude, et ça va s'harmoniser un petit peu. Peut-être que, bon, on va voir ce qui se passe concrètement là. Donc j'ai pris le tarot sentimental pour voir. Tarot de l'amour, excusez-moi. Alors là, c'est vous, vous avez le 10 des étoiles. Vous êtes en train de récolter des fruits sur le mois d'octobre, peut-être d'un long travail, un long travail sur vous-même au niveau racinaire, au niveau karmique. Il y a des choses qui étaient tapies dans le fond et qui émergent pour être traitées et pour être mises en lumière. Et puis surtout, ça permet aussi, peut-être qu'on avait peut-être peur d'aller chercher des choses dans le fond, dans les tréfonds des mémoires. Par peur que ce soit négatif. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez fait réémerger des choses, effectivement, à transmuter et à traiter, mais que là, vous arrivez à un stade où vous êtes peut-être surpris ou surprise de voir que, en fait, ce qui monte et remonte, c'est aussi des mémoires positives. D'accord? Donc, ça fait avancer, ça éclaire le chemin, en tous les cas, vis-à-vis de votre autre. L'autre en face, il a le 10 des anges.
il a peut-être ou elle a peut-être le sentiment d'avoir été laissé pour compte. Il y a quelqu'un qui est blessé ici, un peu sur la défensive, vulnérable, prêt à se battre parce que peut-être un peu aigri, peut-être un peu... En fait, comme cette personne voit ou ressent vos énergies un peu duelles, et peut-être que lui ou elle est dans les mêmes énergies, hein, on va aller voir les blocages aussi, ça le met dans une position d'insécurité où il a le sentiment que il a encore besoin ou elle a encore besoin de se protéger de la situation, de la relation ou de vous. C'est quelqu'un qui traite la blessure visiblement d'abandon. D'abandon, rejet, et a le sentiment que du coup l'extérieur est une agression. Le lien, donc là voilà, j'ai voulu tirer le lien, je trouve ça important quand même. Qu'est-ce qui se passe au niveau du lien? On a à la fois, on vous dit quand même, il y a quelque chose en vous, hein, d'accord, parce qu'on se préoccupe de vous, taureau, on n'est pas dans le tirage de votre autre là. On vous dit, et votre autre phrase qu'il a envie de faire, ou elle a envie de faire, on vous dit, vous, vous savez exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous le ressentez, vous avez cette comme une certitude, une intuition, quelque chose dans votre corps qui vibre à ce niveau-là. Et on vous dit, faites confiance à ça. C'est ça la foi. Faites confiance à vos ressentis, à ce que vous avez à l'intérieur. Là est la véritable foi. Évidemment, vous pouvez avoir foi dans le divin, dans le fait que les choses se passent comme elles doivent se passer. Bien sûr, c'est aussi à ça qu'on fait référence. Ensuite, on va avoir la ligne de ce qui bloque. Ça vous permet de conscientiser vos blocages pour améliorer la relation et de prendre conscience des blocages de l'autre. Ça permet de l'accueillir avec davantage d'accueil, de souplesse en tous les cas. Et puis sur le lien, on peut voir aussi ce qui bloque. Parce que le lien est une énergie. Vous avez le 7 d'épée en blocage. Donc, il y a vraiment ça sur vos énergies ici. Il y a une énergie de fuite. Vous êtes en train un petit peu de vous carapater. Alors, je vous le dis, pendant que je tirais les cartes tout à l'heure, j'ai quand même eu plusieurs signaux et choses qui me sont venues où j'avais vraiment le sentiment, j'avais envie de vous dire... attention à ne pas vous voiler la face, à ne pas être dans le déni de la relation. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir la foi quand même. Parce qu'il y en a qui, j'ai l'impression, n'ont plus envie de voir, n'ont plus envie de reconnaître, n'ont plus envie. Donc c'est pour ça aussi que j'ai ça et que j'ai peut-être ce métro, c'est quoi, c'est un métronome? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, ce truc qui balance là comme ça sans cesse. Et c'est pour ça que j'ai cette énergie où en fait vous n'êtes pas complètement là, voire vous taillez un peu la route. Peut-être que vous avez souffert par le passé et que tous ces doutes ont fini par vous entamer et vous avez envie de passer à autre chose. C'est peut-être probable. Ok, mais en tous les cas, c'est un blocage sur la relation. Forcément, si vous vous barrez, il n'y a plus de relation. Bon, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Cavalier de coupe. Donc, effectivement, on a en face quelqu'un qui a du mal à montrer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, hein, vous replacez dans le genre qui correspond à votre situation. Donc on a vraiment quelqu'un qui n'est pas en mesure de s'ouvrir, de montrer, de démontrer, d'accorder une forme d'attention à l'autre. Non, parce qu'il est en forme de protection. Donc pour, on sait très bien que déjà le valet de coupe, il montre timidement sa vulnérabilité, sa sensibilité. C'est une petite mesure. Alors, imaginez que le cavalier de coupe, ça va être plus compliqué. Et oui, bon, bah, on est clairement dans quelqu'un qui se méfie de virer sa carapace et d'aller dire et exprimer clairement ce qu'il ressent. Alors, peut-être complètement aussi perdu dans ses ressentis. Le blocage sur le lien, qu'est-ce qui se passe? On a un arcane majeur, c'est quand même une énergie importante, hein, un arcane majeur. Ça veut dire ici, avec le hiérophante, enfin le pape,
que les choses ne sont pas encore complètement alignées. Voilà pourquoi on a ce tempo. Il y a des choses encore entre vous qui ont besoin de se répondre, peut-être d'une manière un peu égotique pour aller nettoyer certains blocages, afin qu'à un moment donné, ça puisse véritablement s'aligner et se valider par lui-même, le lien. Okay, pour l'instant, il y a encore un peu la foi qui est au travail, puisqu'il y a encore des phénomènes de fuite, non-déclaration, comme ça. Ça se jauge encore pas mal, ok? Ça ne s'est pas encore ancré et stabilisé. Langage de l'âme. J'ai pris au chaud cette fois-ci. Alors, voilà en gros ce que vous avez envie de dire à l'autre. Vous avez envie de dire à l'autre que vous n'en pouvez plus, d'une certaine manière, de vous contenir, de vous réprimer, comme le dit la carte, de ne pas pouvoir être libre, de vous exprimer, peut-être de vivre la relation ou quoi, d'être en permanence en train de devoir... oui, c'est ça, c'est se contenir. J'ai l'impression que du coup, c'est comme si on vous bloquait tous vos chakras, quoi. Mais c'est vous qui vous les bloquez, hein. Bien sûr, l'autre, il vous empêche pas. Mais la situation fait que vous n'êtes pas à l'aise pour. Et ça, ça vous gonfle. Ça explique pourquoi aussi il y a un blocage de fuite. Vous avez le droit dans le langage de l'âme de dire que ça vous gonfle. Hein. C'est comme ça. C'est ce que vous avez envie de dire. L'autre a envie de vous dire, ok, il a la nouvelle vision avec Osho, qui est donc arcane majeur 12, le pendu. Mais ici, vraiment, en gros... oui, il est bloqué, mais en fait là, par contre, c'est un peu plus rassurant. Ce qu'il a envie de vous dire, c'est « je suis en train d'aller vers une nouvelle façon d'aborder peut-être le lien, le couple, une nouvelle façon de le voir en tous les cas. » Donc, c'est plutôt assez rassurant. On va aller voir maintenant le Béline. On a quand même l'élévation, héritage. Il y a du karma qui s'épure ici. Il y a de l'ego qui a besoin un petit peu d'être épuré aussi. Donc, voilà ce qui se passe octobre. Enfin, je veux dire, l'automne, là, c'est bien pour ça. Et puis, les énergies en ce moment, elles sont à fond là-dedans. Donc, soyez pas surpris si vous êtes encore en train de prendre, on va dire, les petits papiers, de faire des corrections, d'effacer certains pans de l'histoire. Alors, pas effacer, mais comment... C'est-à-dire que les transmuter et les transformer en quelque chose de positif, c'est pour ça que j'avais l'image de l'effaceur pour réécrire une histoire derrière. Mais vraiment, ça va modifier l'ADN et les choses comme ça. Donc, on est en train d'aller faire un travail là-dessus, vraiment. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je viens de dire, mais enfin bon, bref, c'est pas grave. Il y a eu plein de cartes qui sont tombées avec l'oracle bleu. J'ai la perturbation, la sérénité, les arts et le couple, le mariage céleste. Et on va aller voir le dos de deck en même temps. L'eau. Donc oui, émotionnellement parlant, on est sans doute un petit peu remué. On cherche à faire des réglages émotionnels afin d'être moins bousculé. Avec l'eau ici, hein, c'est quand même la sphère émotionnelle. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça, mais quel est le rapport que j'entretiens aussi avec ma mère voilà. Vous voyez si ça vous parle. En tous les cas, ici, on sent que c'est le moment, en fait. On est prêt à aller modifier des choses parce qu'on a envie d'évoluer et de se détendre, de prendre sa place, véritablement. Prendre sa place dans le monde, quoi qu'il arrive, ça oui, en dehors du couple aussi, et d'être plus serein. Le fait de reprendre sa place permet aussi au couple... De davantage s'équilibrer et d'avoir chacun son espace. Parce qu'ici, vous vous réprimez. Alors, avant d'aller voir le conseil du surrender, on va aller voir la petite histoire des miroirs. On a amitié, retard, carrefour, rêve, correspondance, enfant, verdict. Avec les miroirs, c'est quoi cette petite histoire ? Il y a une histoire de loyauté entre vous et votre autre, vous et quelqu'un, qui fait que du coup vous avez... Vous
ça a pris du temps. Vous avez peut-être dans un premier temps un peu loupé votre autre peut-être ou en tous les cas cette personne. Il y a quelque chose de l'ordre de la loyauté qui vient faire écho dans l'histoire là. Pour moi, l'amitié, c'est ça. Hein. C'est vraiment le truc du lien des gens qu'on choisit. Donc, il y a vraiment une notion un peu comme ça qui fait que vous avez peut-être laissé partir l'autre dans un premier temps. Ça vous a amené à beaucoup réfléchir sur ce que vous vouliez, à projeter des choses sur éventuellement une vie future ou quelque chose comme ça. Mais il y a une part de vous qui, en permanence, réfléchit toujours où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois m'y prendre. Est-ce que c'est bien si je pars de ce côté-là ou est-ce que je ferais mieux de peut-être attendre encore ou revenir chercher cette personne, je ne sais pas. Il y a un truc, parce qu'il y a une dualité chez vous, hein, vous ne savez pas trop quelle direction prendre, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui vous colle d'une certaine manière jusque dans l'énergétique, dans vos rêves, peut-être avec lequel vous communiquez la nuit, et ça c'est du coup est-ce que je vais vers En fait, c'est ça, vous ne savez pas comment choisir. Mais c'est pour ça que je me sens bizarre dans l'interprétation des miroirs. J'ai ce truc, je vais à gauche là, vers un lien peut-être où j'ai une forme de loyauté, où je vais à droite, vers la personne qui m'entête, qui est toujours là en moi. Peut-être, il y a peut-être une indécision entre deux personnes. Hein. Qu'est-ce que je fais entre... peut-être vous avez des enfants, une famille, peut-être que... c'est ça qui vous fait réfléchir en tous les cas. Mais par contre, vous allez avoir une forme de réponse, j'ai l'impression, sur le mois d'octobre qui va enchaîner un mouvement. Vous êtes quelqu'un de loyal. Loyal envers votre famille. Ça vient en fait mettre le trouble dans vos choix sentimentaux. Voilà. Le surrender, il vous dit d'abandonner cette habitude que vous avez de faire en sorte de faire plaisir aux autres avant vous, quoi. De faire passer les autres avant vous, en fait. Hein. Parlez de vos besoins et soyez honnête avec vous-même. C'est ce que j'ai eu tout à l'heure en canalisation avant de faire le tirage. Vraiment, mais c'est genre non, je veux pas voir, donc bon, et prenez si ça vous parle. Focus sur votre propre bonheur plutôt que de toujours essayer de faire en sorte que les autres soient heureux. Si ça parle à certains taureaux, voilà le message. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Sentez-vous libre de vous abonner, faites comme bon vous semble. C'est un vrai soutien pour moi, évidemment. Merci pour les likes, les commentaires et les partages aussi. Et je vous dis à très vite, passez un bon mois d'octobre et portez-vous bien.